Bonjour à toi, cher spectateur, qui était certainement en manque de films de super-héros, vu qu'on en a déjà eu un début août, à la fois sur Netflix et en même temps au cinéma. Ouais, non, en fait, non. Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans cette critique de The Suicide Squad de James Gunn, qui est donc le reboot étrange et bizarre de James Gunn suite au précédent film de David Ayer qui avait été un gros four, on va pas se voiler la face, pas forcément financier, plus artistique. Et qu'est-ce que ça raconte ce The Suicide Squad? En gros, c'est l'histoire de Robert Dubois, qui est également connu sous le nom de Bloodsport, qui va être approché par Amanda Waller, qui va lui demander de rejoindre et de commander une partie de la Suicide Squad pour aller découvrir ce qui se cacherait dans une base cachée sur une petite île. Voilà. Je vois pas Oh comment. putain, t'as l'air perdu, mon Mais non, pauvre. mais en même temps, comment tu veux résumer le film sans spoiler la moitié? Parce que littéralement, même eux, au sein du film, ils spoilent une partie même de ce qu'il y a de caché sur cette île. Et j'ai pas envie, même si les gens ont vu le trailer, voilà. Oui, mais tout le monde a vu le trailer et tout le monde sait, du coup. Bon, on va quand même garder un petit peu de mystère. Bien sûr. Voilà, juste pour le principe. Pour en parler avec moi, vu qu'il n'a pas pu être là pour Hold, je me suis dit qu'il lui fallait quand même une petite Ah, parce que séance c'est de pas une critique de rattrapage. Hold et c'est... Non, désolé, c'est pas le nouveau Shyamalan. Ah! Alors la porte est là, si jamais tu préfères sortir, Oui, je mais... préfère. Non, Non! non. J'avais envie qu'il vienne quand même faire une petite vidéo, même si c'est pas sur le film qui était prévu, mais c'est à peu près dans le même laps de temps. Hugo Joubert, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très très bien. Bon, bah tant mieux. Chaudement, par ces... Il faut savoir que Hugo a fait... C'est à peu près cette réaction quand je lui ai annoncé quand qu'on faisait la vidéo sur The Suicide Squad. Ah! T'es sûr? Alors, j'étais au téléphone. Et il est venu me kidnapper chez moi, c'est-à-dire que je participe pas de mon plein gré aux vidéos hein, que vous regardez depuis le début où je suis là. En soit témoin les vidéos sur Terminator, hein, Voilà, tout à voilà. fait. Donc j'ai été kidnappé et il m'a dit on va parler de Suicide Squad. Et. Bon, à la base, clairement, même moi, j'étais pas très très chaud sur le projet. J'avoue que l'idée de voir James Gunn débarquer chez DC, je me suis dit, pourquoi pas. L'idée de voir James Gunn reprendre la Suicide Squad, je me suis dit, quel est l'intérêt? Voilà. On a déjà eu un film qui a pas été Qui est pas un... bon? Qui... Non, Non, il est pas qui bon. est-ce qu'il est? Il est Pas bon. bizarre, il est biscornu, mais il est ce qu'il est. Non, non, Pas bon. faut pas être trop méchant avec ce film. Pour moi, je pense qu'il y a quand même un bon fond, même si ça se voit pas trop au premier abord. Je pense profondément que le premier Suicide Squad est un projet foiré parce qu'à la base, il est fait avec de mauvaises intentions. Donc j'avoue que voir ce second film, avec quand même une grosse majorité de la même équipe artistique que le premier, revenir, mais en changeant de réa et en rajoutant quelques personnes d'un point de vue technique pour changer, pour moi, c'était hyper casse-gueule. Sachant qu'en plus, derrière, James Gunn avait récupéré une grosse partie du casting du premier film, ce qui pour moi semblait être une aberration totale, parce que c'est genre, c'est Oui, quoi? on fait C'est un un reboot? reboot, C'est un remake? C'est une suite. une suite? Et on savait pas du tout ce que Moi, je c'était, pense que c'est une malgré... suite en fait, Non, par moi je rapport pense... au lien entre deux personnages au début. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça soit une suite. Je pense que Et t'as c'est... raison, le premier Suicide, enfin le premier entre guillemets Suicide Squad avait un très bon fond. Il y avait un Joker que j'aimais bien. Voilà. Mais donc du coup ce projet débarque un peu de nulle part. Et voilà, Hugo, du coup, toi qui étais sceptique, qu'as-tu Et pensé de ben, je ce The suis Suicide parti Squad? vraiment en mode ça va être pas bon parce que j'ai pas du tout aimé le premier Suicide, enfin le premier du coup le Suicide Squad qui est sorti en 2016, 2017, Ouais, ça doit un être truc comme ça. ça, ouais. 2016, ouais, je crois. Ouais. Vraiment, j'étais hyper hypé par le projet. Je suis allé voir le film au cinéma. Je suis ressorti en hurlant que le réalisateur et Qu'avez-vous toute fait? l'équipe Qu'avez-vous aillent fait? manger leur grand mort. Et donc, quand tu m'as prévenu, ah, on va voir chez Suicide Squad à 11h du matin, j'étais là, genre, oui, mais pas tant. Et finalement, j'en suis ressorti, content, agréablement surpris. C'est pas une pépite, hein. Je suis allé voir Titan et Hold juste avant, bon, il y a deux poids, deux mesures quand même. Mais non, ça reste un bon film. Une bonne comédie de super-héros. Au même titre qu'un Kick-Ass 2. Oui, je sais très bien pourquoi tu mets cette référence-là. Mais non, non, vraiment content en vrai. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'avoue que pareil, le projet m'emballait, bah, comme vous l'avez entendu, pas plus que ça. Oui. Le film est convaincant dans sa grande majorité, assez décomplexé et assez jouissif, il faut l'avouer. Ça reste un poil lourd par moment. C'est pas de l'humour très subtil et on ressent le côté James Gunn de super plus que des Gardiens de la Galaxie parce que
Les Gardiens de la Galaxie, au final, il était tellement en retenue sur pas mal de ses points habituels de création On sent que que du là, coup. il a un peu carte, enfin, il a un peu carte blanche, hein. Il peut Ah là, tu gagner. sens qu'il s'est éclaté, tout seul à l'écriture, tout seul à la mise en scène. Même au niveau trashos et tout, on est loin du Suicide Squad. C'est vrai que je me suis dit pendant la séance, oh, le Suicide Squad de 2016 est tellement lisse par rapport à Ah celui-là. oui, non, c'est terrifiant. Et Là, en il y a des fait. scènes où t'es là, genre. Mais je pense qu'il fallait embrasser justement ce côté un peu décomplexé, et David Ayer a voulu trop rendre ça sérieux dans sa démarche. Oui, C'était sérieux hyper et sérieux ouais, premier degré. c'était gentil, quoi. C'est ça, là c'est vraiment bien, c'est bien C'est con, bien. c'est bien barré, Ouais. c'est juste ce qu'il faut en fait pour rendre le tout dynamique et entraînant, et peut-être qu'on n'en Bon, demandait comme pas on plus à ce disait, il y genre a de certaines projet. blagues, ouais, un peu lourdes. Genre la blague du Même, caca? ouais, la blague qui est dans le teaser, enfin, Ouais, non, ça sert non. à rien, ça sert pas du tout le propos. Autant il y a des blagues qui servent très bien le propos, enfin, tout le running gag du requin sert totalement tout Ça le long du marche, film. ça marche Autant, vraiment ouais, il y a bien. quelques blagues, ou alors le moment où il y a un peu plus tard dans la même journée, c'est écrit sur la cuvette des chiottes et qu'après il y a quelqu'un qui Oui, nettoie, t'es le genre. ça c'est pas. Mais c'est un peu le côté James Gunn, c'est ce côté décomplexé, mais qui Oui. parfois va dans des limites Ouais. qui sont vraiment très limites justement. Et on le ressent tout du long du film. Ça reste pour autant fun, mais James Gunn a toujours eu cette idée-là au sein de son cinéma. Et là, c'est évident qu'il y a tout ce qui fait la sève du cinéma de James Gunn, et en même temps ces petites dérives qui par moments font que tu regardes et tu te dis Ouais. ouais, ça aurait pu être plus Mais subtil. ça reste quand même un film agréable à regarder. Exactement, comme tu dis. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc l'écriture, c'est James Gunn seul, donc qui s'inspirait du comic book de John Ostrander. L'écriture est très simple en Elle est fait. simple, mais elle tient bien. On a eu la même réflexion qu'au début du film, on avait un petit peu peur. Et au final, parce qu'on savait pas du tout où ça allait aller. Et moi j'étais là, oh non, ils sont en train de nous refaire une Suicide Squad de 2016. Vraiment, j'étais en train de me dire ça. Et finalement, eh ben non, l'écriture est plutôt efficace. Alors ça va vite, Trop vite. ça va trop vite, Trop vite, beaucoup trop mais j'ai vite. envie de te dire, trouve-moi un film de super-héros, hormis Incassable, qui ne va pas trop vite. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Bonne journée. Il n'y en a pas beaucoup. Sauf peut-être des Dark Knight qui prennent leur temps et qui Oui, s'étendent sur plus de bon, 3 d'accord, ok, heures. Ouais. oui, bah, c'est des Quasiment Dark 3 Knight, heures. mais voilà, En fait, à quelques exceptions ce près. qui se ressent là dans l'écriture de ce Suicide Squad, c'est que James Gunn n'a pas voulu aller en fioriture. Son objectif, c'est pas de faire comme le premier, un étalage de personnages et de leur faire tous un background et du coup derrière de bâcler un petit peu les retrouvailles et l'aventure. Là, c'est un petit peu le cas, mais Il y en c'est a, mais c'est moins. bien fait. Ouais, et puis c'est moins flagrant en C'est fait très que sur bien le fait. premier. Il y en a certains, c'est très bien fait. Il y en a certains, c'est Mais très bien ce fait. qui est intéressant, c'est que. Ce qui le passionne ici, c'est surtout de poser des personnages, de les foutre dans un contexte où ils vont être hyper à l'aise et en même temps ils vont être hyper mal parce qu'ils ne vont pas agir de la bonne manière. Et c'est justement ce petit décalage qui arrive à faire en sorte que toute l'écriture se tient. Parce que si on se limite vraiment à la trame principale, c'est le film de super-héros en équipe par excellence. C'est un groupe de personnages qui vont aller dans un endroit, qui vont combattre des méchants, puis un super méchant, et puis voilà. Surtout que contrairement au film de 2016, là c'est pas vendu comme une équipe de méchants qui décide de faire le bien. C'est Là juste une équipe c'est une de équipe fous de furieux bras qui. cassés, Ouais, c'est de je ça. sais pas trop, de criminels. Bah, Oui, si, de criminels. c'est vraiment une Suicide Squad en fait. C'est vraiment là pour le coup, ils sont vraiment vendus et vous allez le sentir dès les premières minutes. Pour le coup, si vous attendez une Suicide Squad, donc une brigade de suicidaires, vous en avez Oui, une. c'est ça. C'est vraiment ça. Contrairement au premier où vraiment c'était une espèce de bande de badass qui allait en plein New York et Oui. qui au final se faisait passer pour des méchants et puis en fait dès qu'ils buvaient un petit verre dans un bar, c'était en mode ouais mais en fait on a des motivations qui sont de gentils. Là au moins il y a des petits Oui, retournements, il y a des il y a petites des jeux avec des subtilités. personnages, il y a des traits de caractère qui sont plutôt bien utilisés et c'est ça en fait qui fait la sève. Après, faut pas se voiler la face, moi pour moi la partie où je pense je suis un peu plus mitigé, c'est bizarrement la partie humoristique où je trouve parfois c'est très lourd. Ça repose bien sur les personnages, mais il y a des moments où je trouve ça un peu Ouais. lourdingue et Parce poussif qu'on n'est et. peut-être pas habitué aussi à remarque ouais, c'est un peu comme Deadpool. Ouais, c'est ça. C'est parfois un petit peu trop lourd. Ouais, surtout le 2, pour moi c'est un Oui. peu dans le même style que l'humour de Deadpool 2, dans le Oui, sens où voilà. il y a des moments où tu demanderais juste au film d'en retirer un petit peu Ouais. et d'aller C'est plus carrément subtil. ça. Et ce qui est étonnant, c'est que James Gunn arrive quand même à greffer un peu d'émotion. Pas forcément de l'émotion Non, mais subtile, il y a des bonnes mais un idées peu d'écriture, mais d'émotion. je pense à une scène où certains dialogues. Alors. Une infime partie, une infime ressemblance à Watchmen.
Une En même infime, temps, une infime. c'est pas déconnant, parce que comme Oui. je te l'ai dit, moi, par le biais d'FX, qui est mon pote qui me l'a quand même raconté, à la base, la Suicide Squad avait quand même de grosses similarités avec les Watchmen, donc c'est pas étonnant finalement de trouver des Mais similarités comme ça. je l'ai senti, alors c'est très léger, hein, ça reste Suicide Squad et pas Watchmen, hein, très clairement. Mais j'ai retrouvé un petit peu ce biais-là à certaines scènes, et du coup, j'étais là. Ça fait plaisir quand même. Mais oui, effectivement, il y a un côté un petit peu lourd. Mais qui est pas Qui est pas trop trop dérangeant, qui est je veux pas dire, trop on n'est dérangeant, pas. et vu la qualité des acteurs, bah Ça du sera un coup gros point qu'on ça évoquera plus voilà, tard, mais du coup clairement, ouais. c'est pas noyé dans le lourdeau, et c'est ça qui est beaucoup mieux que le film de 2016, où le film de 2016 le casting était Un peu à côté de la plaque. Qu'on va pas... carrément. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, pour compléter aussi ce que je disais, l'humour est un peu lourd, mais par instant, il est amené de manière intelligente. Je pense à Oui. deux personnages qui sont, alors si je me plante pas, Pollack et le requin, qui sont deux personnages qui sont vraiment des comic relief, mais pour le coup, c'est des comic relief qui ont un bon fond et qui ont une belle forme, et qui du Mais coup c'est ne bien passent pas incrusté dans le uniquement que récit en pour... fait. C'est ça. Et passent Oui. pas uniquement pour les deux comiques de service qui vont faire des Non. vannes en arrière-plan. Ils sont vraiment là pour apporter un petit quelque chose de plus, et moi je trouve que ça fait le taf, quoi. Non, il y a C'est des vraiment une personnages qui ont écriture, quand même un mais bon background. au même titre qu'il y a une très bonne écriture pour les Gardiens de la Galaxie et de la panoplie de personnages qu'il y a, c'est marquant dans les Gardiens de la Galaxie en fait. De toute façon, James Gunn, ça se voit à 10 km qu'il Oui. adore les gens qui sont complètement niqués de la tête et Oui, en dehors des gonds. Et là, c'est clair. il a que ça à portée de main. Il a que des personnages qui sont constamment en dehors de leur gond et qui font limite des conneries ou qui font n'importe quoi. Je pense à une scène romantique qui est complètement Oui. niquée de la tête, mais Je pense à la qui scène m'a... romantique et la scène de massacre du camp dans la jungle, là. Oui, voilà. Non, mais Donc vraiment, la fois, j'étais... Oh, putain. ces deux scènes-là, elles Non, fonctionnent vraiment, ouais. hyper bien. Elles ont une vraie dynamique et je trouve Non, ça mais aide beaucoup l'écriture le du film film. se tient bien au niveau de l'écriture, quand même. Clairement. Clairement. En termes de mise en scène, bon, James Gunn, il a plus vraiment grand-chose à prouver en tant que réalisateur. C'est son, si je ne me plante pas, cinquième film en tant que metteur en scène. Après Horribilis, super, Les Gardiens de la Galaxie, Gardiens de la Galaxie Volume 2 et celui-là. Sans compter tous les autres projets qu'il a fait à côté en tant que scénariste. Mais je trouve qu'encore une fois, il démontre que c'est pas un immense metteur en scène. C'est pas le genre de mec devant lequel on va être estomaqué par la maîtrise de la caméra ou des choses comme ça. Mais c'est un mec qui sait bien s'entourer. Bah, c'est comme l'écriture en fait, la réalisation, enfin la mise en scène est assez simple, avec quand même quelques côtés et quelques scènes efficaces, et du coup c'est pas lourd, c'est assez juste en Ça a un fait. côté ludique, je trouve, la mise en scène ici. Là où beaucoup de mises en scène sont parfois très classiques ou très sommaires ou au contraire très expansives, elles prennent beaucoup de place et elles enlèvent peut-être un petit peu de place à l'écriture. Là, James Gunn a envie d'être ludique. Ce qu'il veut, c'est pas que sa mise en scène elle prenne trop de place, c'est simplement qu'elle aide les situations à avoir encore plus d'effets sur le spectateur. Donc, il sert juste de petits effets qui renforcent l'impact qu'ont les scènes. Je pense à une scène dans le bus avec Ratcatcher qui est très simple dans sa transition. Ça va être une balance de lumière et un jeu avec l'arrière-plan, mais c'est très fin et très subtil et ça fait son petit effet. Moi je pensais à la scène aussi avec le requin, le combat à la fin où t'as un éclair qui passe derrière lui et tout. Vraiment, cette scène-là j'étais. Ah ouais, c'est quand même joli. Ouais, c'est ça, mais il y a plein d'autres La scènes comme réflexion que j'avais ça. pas forcément avec le Suicide Squad de 2016 ou avec beaucoup de films de super-héros en fait. Bah où le Suicide Squad de 2016, encore une fois, avait un univers très noir et c'était pas son objectif, c'était Oui. clairement pas ça. Et il y a plein d'autres petites scènes comme ça. Hugo faisait référence à la scène de l'arrivée du camp dans la jungle, qui Oui. est très bien Ah conçue ouais, en elle est termes trop bien. d'écriture. La mise en scène accompagne ça aussi. C'est une mise en scène qui est très lente, qui va plutôt jouer sur un espèce de truc. Bon, je dis pas que c'est clairement ça, mais c'est un peu à la Charlot, c'est-à-dire dans le sens où on voit la scène Oui. avancer, il y a des gags qui se mettent en place, il y a des déroulements de situation, et il n'y a pas forcément besoin de multiplier les angles de caméra. Je crois qu'il doit utiliser 3-4 angles de caméra différents seulement, ce qui est très minime pour ce genre de film, mais ce qui fait son efficacité, c'est la chorégraphie qui est à côté. Et je pense que James Gunn a compris ça, notamment par le biais des Gardiens de la Galaxie Volume 1 et Volume 2, où clairement là-dessus, il avait compris qu'il pouvait pas baser son film sur de la pétarade dans tous les sens, plein d'angles de caméra, etc. Et au contraire, il Non, jouait c'est sur une clairement mise en ça. scène beaucoup plus Non, délicate, c'est vrai que prenant son temps. c'était agréable. Et quand tu m'as annoncé dans la voiture juste avant d'arriver au cinéma que le film faisait 2 heures, j'étais ouh loulouloulou. Et finalement, de par l'écriture et la mise en scène, bah moi je les ai pas sentis les 2 heures. Le dernier quart de Ah ouais? film, je trouve, est un
poil étiré, un poil trop étiré. Ah, moi j'ai pas trouvé, tu Je vois, j'ai pas pense à senti. l'arrivée dans la base Dans la principale base, oui. et le dernier acte. Je dois t'avouer que j'étais un moment en train de me dire, la vache, c'est pas plus de 2 heures en fait. C'est le seul petit point. Je trouve qu'il a Ah, tendance moi à. j'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, il étire un petit peu trop son récit. Mais c'est au profit de mettre des petites scènes à gauche et à droite qui rendent efficace le long métrage. Enfin, la petite scène de combat d'Harley Quinn, en soi, elle ne sert à rien, mais elle a une véritable efficacité, elle a un vrai dynamisme. Et il y a plein d'autres petites scènes comme ça qui, sur le papier, pourraient être retirées, mais du coup, il choisit quand même de Mais les garder. le seul point de la mise en scène qui m'a vraiment plus choqué, c'est et pendant ce temps, il Ouais, se... les flashbacks, les flash-forwards, les trucs Ouais, comme ça, ouais. Ouais. c'est un peu too much. Et le fait qu'à chaque fois ils aient besoin de l'inscrire dans le... Je pense qu'à mon avis, intradiégétique en fait, à mon à avis, il chaque devait y fois. avoir un premier montage où il devait. Bah, c'est des suppositions, mais il devait y avoir un premier montage où il devait pas y avoir ça. Et je pense qu'ils ont rajouté pour soit dynamiser un peu le récit, soit enlever quelques scènes. Le fait Et que ce soit à l'intérieur du récit, j'étais là genre... ça pète un peu l'immersion par Ouais, moment, parce que et c'est même vraiment des ces surtitres dialogues qui. qui sont un peu incrustés n'importe où, j'étais là genre, bah Ouais. merci le quatrième mur, bravo. Ouais, non, non. Il y a des moments où c'est un peu. C'est un peu maladroit, je dis pas que c'est complètement foiré, mais c'est à vouloir dynamiser le film pour au final lui mettre un coup de plomb dans l'aile. C'est-à-dire que vraiment, ça permet au récit d'avoir de l'efficacité dans le sens où il y a des rebondissements, il y a des flash-forwards, des flashbacks, des trucs comme ça. Et en même temps, tu te dis, si on l'enlève, est-ce que ça enlève vraiment du dynamisme de l'œuvre? Est-ce que ça C'est vrai pète que je me pas un suis petit posé peu la moins question, l'immersion? C'est la seule vraie question, mais Puis honnêtement, par rapport à la ça. mise en scène, j'avais quand même deux points. C'est deux scènes qui apparaissaient dans le trailer où j'avais très très peur. Et au final, c'est pas du tout marquant. J'en ai ras-le-bol des méchants en 3D. Enfin, je sais qu'on en avait déjà parlé, notamment pour X-Men. Oui. Et là, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, oh putain, la vache, à quoi ça va ressembler? Ça va être moche et tout. Et non, finalement, c'est plutôt bien, bien Parce incrusté. que c'est too much. Et Oui. que James Gunn Ouais, mais c'est accepte too much ça sans trop l'être en fait. sans être laid, finalement. C'est too much Oui, sans être laid. voilà. C'est au même titre que les Gardiens de la Galaxie, surtout le 2, où c'était un peu too much, mais sans être trop moche, quoi. Sans être laid, ouais. Non, non, Mais clairement, ça, et la c'est. scène avec Harley Quinn, où t'as toutes les fleurs qui explosent en avant dans la bande-annonce, j'avais un peu peur, et finalement, c'est plutôt bien fait. Mais elle est claquée au sol, cette Ah non, scène. moi j'aime bien. Ah, je la trouve jolie, mais Attends, je la trouve un on va en peu parler tout à bizarre. l'heure, mais le film m'a potentiellement réconcilié avec Margot Robbie, donc détends-toi. Eh ben, lançons-nous le casting, Voilà. Hugo Joubert. Eh, j'ai bien aimé la performance de Margot Robbie et je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis que j'ai vu Margot Robbie au cinéma. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et là, vraiment, elle joue bien. Et je trouve qu'elle interprète bien le personnage de Harley Quinn. Je trouve que le personnage a une bonne écriture, du coup. Et du coup, bah, c'est agréable. C'était agréable, vraiment, la scène où, sans trop spoiler, où elle s'extirpe d'une situation un petit peu gênante, on va dire. Voilà. Bah, c'est plutôt bien fait. Et le reste du casting est vraiment, enfin... Comme je te disais, Idris Elba, j'ai envie de lui faire des Idriss câlins. Elba est vraiment excellent. Enfin, pour moi, c'est celui Et qui vole la vedette à tout le monde on n'a dans le pas le... film. Bah, moi, j'ai pas trouvé. On n'a pas ce syndrome Ah non, de... dans le sens, il vole la vedette quand il est présent à l'écran. Quand il est plus présent à l'écran, il est Non, voilà, pas. on a tendance à pas le mettre que lui sur le devant de la Ah bah scène non, et... là vous voulez On n'a du pas une Will Suicide Smith, Squad, c'est quoi. pas du Will Smith à toutes les sauces, c'est John Voilà. Cena à sa place, Joel Ah oui. Kinnaman à sa place, Parce qu'en plus, enfin. les acteurs sont vraiment Ouais, non, bons, non. en fait. Enfin, vraiment, la Ouais, non, direction c'est des fou. acteurs Bah, dans les était... seconds rôles, on a Alice Braga, on a donc Joel Kinnaman, comme j'ai dit, il y a David Dasmalkian, qui joue donc le personnage de Abner Krill, qui est donc celui qui lance des petites gommettes, qui est bien, qui est vraiment bon, moi j'ai trouvé vraiment bon. Non, vraiment, il est... On peut parler aussi de Sylvester Stallone, qui joue Nanoé, qui le requin. Oui, mais après, c'est juste des punchlines, mais Et j'ai beaucoup c'est un aimé peu la comme Vin performance Diesel dans Les de... Gardiens de la Galaxie, c'était qui jouait Oui, Groot. C'est oui. exactement utilisé de la même manière. Peut-être un petit peu plus poussé, mais c'est exactement utilisé de la même manière. Et l'actrice qui joue Ratcatcher, Qui est Daniela Melchior, j'ai adoré. qui est vraiment bien. Vraiment, Daniela Melchior, elle a de j'ai très belles adoré, scènes. ouais. Viola Davis est très bonne aussi en Oui. Amanda Waller, mais elle avait plus grand-chose à prouver parce que Mieux c'était que un. dans le premier, Ouais, parce qu'elle est quand même. plus vicelarde. Et moi, j'ai bien aimé Ouais, justement le mais fait qu'elle soit sans plus être, je sais vicelarde. pas, c'est plus agréable. Bon, c'est Ah oui, non, l'écriture non, aussi qui a fait qu'elle, mais elle mais... marche bien. Et après, on peut citer vaguement les quelques caméos qu'il y a dans le film qui sont balancés à toutes les sauces, genre Nathan Fillion, Pete Davidson, Jay Courtney qui repasse pour faire un petit coup de boomerang, Oui. mais juste vraiment histoire de faire boomerang. Sean Gunn qui fait Une belette. une belette, je vous C'est en dirai pas la plus plus, mais. belle belette.
du monde. Une autre vie. Oui. Et il y a Michael Rooker aussi qui joue donc le personnage qu'on voit au tout début, qui Oui. sert d'introduction au récit. Et j'en ai pas trop parlé, mais cette scène d'intro pour moi elle est très réussie parce que sans avoir besoin d'en faire des caisses sur la Suicide Squad comme c'était le cas avec le premier, elle sert à rentrer dans le film, à montrer ce que c'est que la Suicide Squad, point barre, tu te démerdes avec ça, tu sais ce que c'est, et le film commence. Et j'ai Voilà, c'est trouvé un peu plus cette pris idée pour très acquis intelligente. objectif que toutes les autres équipes de super-héros. C'est en mode, oui, les Avengers existent, tiens, débrouille-toi avec ça, C'est quoi. ça, voilà. Là, c'est pareil, c'est vraiment en mode. Et Michael Et la Rooker Suicide. aide beaucoup à cette Oui, immersion-là parce que l'acteur a oui. vraiment une putain de gueule et sa C'est scène clair. d'intro en plus est assez fandarde, elle est Oui. complètement claquée, mais elle fonctionne vraiment bien. Mais non, vraiment, ouais, les personnages servent tous le film et du coup, c'est agréable en fait. Tout à fait, le Il mot est bien manque, choisi. peut-être, Jared Leto en Joker. Allez-y, dans les commentaires. J'irai Voilà. lire les commentaires. Tout le monde va Je vous s'énerver, attends, mais je vraiment. te soutiens, je te soutiens. Ah, merci. On arrive à la fin de cette critique sur The Suicide Squad. Oui, tu Musique. veux parler de la musique de John Murphy, je m'en serais douté, j'avais oublié. Vas-y. John Murphy, si un jour tu tombes sur cette vidéo, faut qu'on discute et je veux des vinyles exclusivement de ta musique. C'est. Enfin. Visiblement, d'après sa fiche, ça faisait quand même 11 ans qu'il n'avait pas composé la bande originale d'un film. Je Oui. reste persuadé qu'il a composé d'autres BO de films entre-temps, mais Ou il était visiblement, peut-être que juste. peut-être qu'il était que crédité parce qu'il Voilà. faisait des musiques à gauche ou à droite, mais j'ai le souvenir qu'il avait composé d'autres musiques de films à gauche ou à Mais. droite, mais ça ferait depuis. Je trouve ça trop bien qu'il réutilise des thèmes qu'il avait déjà utilisés. Enfin, il y a des thèmes qui sont. C'est un peu le roi là-dessus, hein, John Murphy. Oui. Il repompe sans pour autant refaire la même chose. Oui, c'est Il ça. se resserre de ses thèmes, mais il ne Et refait pas les mêmes. vraiment, depuis, enfin, j'ai dû découvrir avec 28 jours plus tard, John Murphy. Ouais, c'est oui, c'est ça. Et bah, depuis, à chaque fois que je vois une œuvre où il fait la musique, je suis genre, mais c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Enfin, et là, je m'attendais pas. Quand j'ai vu John Murphy, j'ai fait, oh, yes, la musique va être bien. Et effectivement, au vu de l'écriture, la mise en scène, des personnages. Et ben John Murphy est toujours très très juste au niveau de sa musique et du Tout à coup, fait. j'adore, j'ai adoré. Vraiment, je suis sorti en disant John Murphy, fais-moi l'amour, voilà. Après ça, C'est pas dans la demi-mesure. Quand Hugo non aime un non pas du truc, tout, non, c'est mais jamais John dans la Murphy non c'est demi-mesure. pas dans la demi-mesure, enfin vraiment pas. Du coup, qu'est-ce que tu gardes de The Suicide Squad? Et ben c'est un film agréable, une bonne comédie. C'est pas un chef-d'œuvre très clairement, C'est mais pas son c'est objectif, je pense. Non, c'est pas son objectif et ça se sent, et du coup, c'est agréable à regarder. Vraiment, je sais que je le re-regarderai très probablement, contrairement au premier Suicide Allez, Squad. ça s'est jeté. Voilà. Non, vraiment, un film agréable, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une vraie surprise parce que Oui. personnellement, moi, je m'attendais à un truc un peu vaseux, bas de plafond et lourdingue. Et au final, James Gunn a su justement prendre ce qui faisait l'efficacité de son cinéma en gardant quelques défauts, comme je l'ai dit. Il y a quand même quelques instants d'humour qui sont un poil poussifs et qui sont un poil abusés. Pour autant, c'est dynamique. Comme disait Hugo, c'est drôle, c'est Non, c'est bourré un film qui d'action. est réussi, je C'est pense. un beau rattrapage quand même, mine de rien, Oui. parce qu'on parle d'un concept qui au cinéma n'a pas marché une première fois, et on aurait pu se dire, c'est bon, on abandonne, ça Qui a pas fonctionne pas. marché avec un teasing de fou furieux avant, en plus. Enfin, Exactement. Donc là, il n'y vraiment. a pas eu un énorme teasing, il y a eu un trailer qui a popé l'année dernière, il y a eu deux bandes-annonces, point barre, débrouillez-vous avec ça, le casting dévoilé, c'est tout. Et je trouve que pour le coup, ça se tient, c'est Moi, je entraînant, t'ai c'est dit, fun. j'ai vu la bande-annonce il y a peut-être 2-3 mois, grand max, hein. Avant, j'en avais pas du tout entendu parler. Ouais. Parce que ça a commencé à traîner sur YouTube il y a 2-3 mois, mais c'est tout quoi. Et non, c'est agréable d'avoir des films comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Et au niveau humour aussi. On a beaucoup rigolé. Il y a des scènes où on était tous les deux Ah, il y a des scènes morts où de on rire était dans le complètement cinéma. éclatés. Ouais, non, non. Et ça fait du bien parce que ça manquait un peu, une comédie comme ça, un peu à la Kick-Ass, un peu à la. Bah, au Gardien de la Galaxie finalement, mais avec un peu plus d'humour. Enfin. Non, c'est. Et bien, nous finirons sur ces bons mots, et Bien. vous l'avez compris, on vous conseille de voir The Suicide Squad de James Gunn. Merci mon cher Hugo Mais d'avoir merci participé à à cette toi petite vidéo, même si je de sais qu'à la base m'avoir c'était pas, forcé. voilà, c'était pas une envie, Non mais mais voilà. je regrette pas parce que j'aurais pu aussi passer 2 heures de merde complètement KO Exactement. devant un film tout pourri. Et bien je suis content que tu aies quand même passé un bon Voilà. moment, ça me rassure. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce Parce que que c'est c'est bien bien d'aller voir des d'aller au films, film. surtout au cinéma, parce que je sais que Suicide Squad sort la semaine prochaine en directement en VOD aux États-Unis, donc ne téléchargez pas, allez le voir au cinéma, parce que ça reste fun. Et on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. À Allez, à plus! bientôt. Non. Oh si, je suis déçu. Allez, vas-y, vas-y, hein, juste un petit peu, juste un petit truc. À la fin, John Cena, il meurt, mais pas en vrai.
Maintenant, bah il meurt voilà, pas parce qu'il y a une sinon. scène. Ah oui, il y a une scène post-crédit. Allez voir, regardez jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène post-crédit. Voilà. Bisous.